Donc, nouvelle vidéo à ce jour. Donc, on est le 5 février 2021. Une vidéo par rapport à cette vidéo que je vous avais mis ici. À propos d'importation d'URL, on va dire non recommandée. Donc, importation depuis un fichier CSV à créer. Et vous l'importez dans les paramètres de l'antivirus d'AirWeb. Mais il se trouve que lors de ma démo, ceci ne fonctionnait pas, ça me mettait un message donc d'erreur. Donc j'ai eu la réponse de d'AirWeb avec un ticket ouvert bien entendu. Et apparemment le problème serait que le fichier que j'ai créé donc dépasse un MO. Donc c'est pour cela que ça me met un message d'erreur et ça ne fonctionne pas. Bon. Et apparemment, ils me disent que je suis le premier client qui a ce problème. C'est-à-dire dans le sens où je suis le premier client qui crée un fichier qui dépasse un MO. Bon, j'ai quand même un doute là-dessus, hein, parce que bon, vu le nombre de personnes qui utilisent l'AirWeb, si j'étais le premier à ce jour, hein, on va dire au mois de janvier, hein, parce que là on est le 5 février. Si j'étais le premier donc à rencontrer ce problème parce que soi-disant mon fichier dépasse un MO, ça me semble quand même bizarre. C'est possible, hein, mais voilà. Vu le nombre de personnes qui utilisent l'antivirus, c'est pour ça que je vous dis que ça me paraît bizarre. Mais ce n'est pas impossible. Donc apparemment, la réponse serait que le fichier que vous créez en .csv ne doit pas dépasser un MO. Donc je vais faire la démonstration devant vous. Je vais minimiser ici. Je vais reprendre donc ma liste ici de phishing. Je vais tout d'abord ouvrir LibreOffice. Alors que je me rappelle de la manipulation. Donc on peut le faire par LibreOffice. Il faut créer donc un fichier CSV. Apparemment, il faut faire classeur, calcul, machin ici. Donc je refais. Je recrée un nouveau fichier. J'ouvre ma liste d'URL qui est en fichier texte. Et ce coup-ci, je vais, au lieu de prendre donc la totalité de mes URL, c'est vrai qu'il y en a pas mal. À compter comme ça, je ne pourrais pas vous dire. Maintenant, est-ce qu'ici on peut voir combien de lignes ça a? J'en sais rien. Édition. Retour automatique à la ligne, police, affichage. Non, je ne sais pas comment on peut faire pour regarder il y a combien de lignes là-dessus. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y en a une pâtée. Hein. Vous voyez, si je fais ça, je ne peux pas vous dire s'il y en a 1000 ou plus de 1000 ou... Voilà. Il y en a une pâtée. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement en prendre quelques-unes. Voilà, je vais baisser un peu. Voilà, grosso modo. Je vais prendre, on va dire, les 50 premières, hein, à peu près. Hein, voilà. Il n'y en a peut-être que 40, mais bon, je dis à peu près 50. Donc là, au lieu de tout prendre, je prends simplement quelques lignes d'URL non recommandées. Hein. Ce sont à la fois des URL non recommandées et des URL de phishing. Donc je fais copier. Je vais minimiser, je me retourne ici, je fais un clic droit et je fais coller. Donc normalement j'avais fait comme ça. Et là, il faut bien se mettre sur jeu de caractère Unicode UTF-16 apparemment. Ici, je ne touche à rien, puisqu'apparemment ils m'ont dit que c'est simplement la taille de mon fichier que j'ai créé qui était trop gros. Donc, bien entendu, je leur ai donné le lien de cette vidéo. Ils ont bien vu ici les manipulations que j'ai faites. Donc, normalement, je me contente de faire ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont pas dit non, je me suis trompé ici ou là. Ils m'ont dit c'était trop gros. Donc, je recommence. Hop, c'est bon, je me mets bien en UTF-16. OK, là, je vérifie que chaque URL est sur une ligne. Donc ici, par rapport au numéro, ligne 1, ligne 2, ligne 3, donc on a bien chaque URL sur chaque ligne. Et là, je fais donc enregistrer.
Alors, si je fais enregistrer. Alors, voilà, donc c'est ici texte CSV. Il faut bien se mettre ici en CSV. Voilà, CSV, un CSV. Je vais mettre ça sur le bureau pour m'y retrouver. Bureau, sans nom, un CSV. Oui, c'est bon, enregistré. Utiliser le format CSV, oui. Unicode, machin. Je ne sais pas pourquoi il me redemande sans arrêt, mais bon, bref. On va passer les détails. Voilà, donc mon fichier est là, CSV. Je vais fermer pour l'instant. Combien ça fait de MO ça? 14 KO. Donc c'est même pas un MO. Donc on va voir si ça fonctionne maintenant. Donc on ouvre l'antivirus d'AirWeb. On clique sur centre de protection. On déverrouille le cadenas. Oui. Donc c'était dans donc je m'en rappelle plus. C'était dans contrôle parental normalement. Administrateur Internet. Voilà, Internet, liste noire et blanche ici. Donc là, les listes sont vides. On clique sur modifier. Ici, vous avez liste noire. Donc on clique sur les petits points, on fait importer et là on va chercher mon fameux fichier que j'ai créé, .csv qui fait 14 MO. Donc on est bien sur le bureau, c'est ici, sans nom numéro 1, c'est celui-ci. Oui, je l'ouvre et voilà, erreur. Donc apparemment ce n'est absolument pas une question de MO puisque ça ne marche toujours pas. Bon. Eh bien ça fera une nouvelle vidéo pour eux, puisqu'apparemment j'ai respecté ce qu'ils m'ont dit, soi-disant que c'était la taille du fichier. Bon, ça me paraissait quand même un peu bizarre, un émo. Non mais où c'est qu'on est là? On est quand même en 2021, limiter une taille d'un fichier à un émo, mais où c'est qu'on va? Donc pour moi, c'est absolument pas ça. Donc soit ils m'ont baratiné la tronche. Hein, quand je dis ils m'ont baratiné, ça, ben bien entendu, c'est tombé sur moi, mais ça aurait pu être tombé sur vous. Peut-être qu'il y a déjà eu des cas comme ça, auxquels ils baratinent. Je ne dis pas qu'ils baratinent, mais apparemment, soit il n'a pas regardé entièrement ma vidéo, hein, ou soit il se fout de la tronche des gens. En tout cas, ça ne fonctionne pas, je l'ai fait devant vous, ça ne refonctionne pas. Donc, voilà le résultat. Ben, ça fera une nouvelle vidéo sur YouTube. Et puis en même temps, je vais lui faire voir que ce qu'il m'a dit et ce que j'ai fait, ça ne fonctionne toujours pas. Donc je ne sais pas où est le problème, mais en tout cas, leur truc de soi-disant créer un fichier machin. Maintenant, est-ce que c'est moi qui me suis trompé en créant ce fameux fichier CSV? C'est possible, mais en tout cas, ils m'ont pas dit que je me suis trompé. Donc soit ils n'ont pas regardé la vidéo. Ou alors, voilà, ou alors il l'a regardé à moitié. Donc voilà, nouvelle vidéo.